On est mal aimé, maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. J'fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon Mali, ça grille les feux rouges dans tout Paris. J'prends virage à gauche, j'prends virage à droite, mais j'ramène le produit, Igo. Patrouillé et je suis passé devant les Marabunta et à ce qui paraît elle était en danger de mort. Marabunta, elle a demandé illico presso de retourner au bureau de police et qu'elle voulait plus patrouiller avec moi à cause de ça. Du coup après bah moi c'était un sketch pour moi, tu vois, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors je me suis embrouillé avec elle aussi. Ah ouais, chaud. Mais ouais, mais enfin, au bout d'un moment, t'es policier, tu vas pas. En fait, j'ai menacé un Marabunta avec mon taser à faire ah, t'es un malade, tu me menaces pas, c'est un criminel, pas avec un taser, on va mourir. Je fais, mais c'est le but d'un policier, faut pas montrer que t'as peur. Et voilà, putain. C'est bête. Elle est passionnée de ma vie. Putain, ah ouais. Ok, bah vas-y, ok, hein. Vas-y, hein. Ah, okay. Tu sais pas toi par hasard, ça je pense pas que tu dois savoir, mais l'équipement pour un agent de sécurité, comment on fait? Parce que l'armurerie a l'air d'être tout le temps fermée. Ah ouais, chaud, hein. Bon, vas-y. Bon courage. Allez Maxime, fais comme je t'ai dit. Alors j'aimerais vous parler, est-ce que ce serait possible que vous ne vouliez plus tuer Monsieur Soulex? Ouais. Je sais que vous avez des différends avec Monsieur Soulex, mais vous savez, il faut pas lui en vouloir, il est... écoutez-moi bien. Je parle à votre oreille, attendez. Je parle à qui, là? Je t'entends pas trop. À vous. Ouais, quoi? Je parle à votre oreille, il entend pas. Il est un peu con, ok? Il faut qui pas lui en vouloir. Soulex! Ah, ouais. Alors, si vous pouviez éviter de le tuer, parce que quand même, on l'aime bien. Ouais, ça serait gentil. Parce que nous, okay. On peut pas vous tuer, hein, les familles, on vous aime bien. Hein, on les aime bien. Dis-leur qu'on les aime bien. Ouais, même si je leur ai tiré une balle dans la tête. Écoute-moi. C'est pas une excuse d'être con. Ouais, mais... Si t'es con, tu restes con. Vous savez, on peut arrêter la guerre. Elle est de la famille. Bah, c'est à vous de décider ça. Donc vous voulez pas tuer Soulex? Tout va bien avec Soulex? Non, mais qui a dit? Voilà. Frère, c'est comme 12, tu vois, il est pas con, il est pas méchant, mais c'est bébou. Comme ta sœur, toi. T'as le pull à Franklin, frère? Bien sûr que j'ai le pull à Franklin. Frère, t'as des ASIC? Je sais pas, frère, c'est une boque tataille beaucoup de... Téléphone, Triz. De quoi? Répondez au téléphone. Putain, bon, ça va, là, pas grand chose. Il y a un chou au téléphone, au cas où, hein. Répétez-moi votre numéro. Ça va, là, pas grand chose. 77 96 7 7 9 6. Ouais. Bah, cherche-moi les papiers. Vérifie la plaque, je crois que j'ai oublié les papiers chez moi maintenant. Non, mais tu peux me prendre ça. Je sais pas. J'ai pas les papiers sur moi maintenant. Ah, t'as pas les papiers? Non, je peux vérifier la plaque. Je peux aller les chercher si tu veux. Hein? Je peux aller les chercher chez moi. Deux têtes, tu l'as acheté combien? Bah, c'est un peu discret, moi, quand même. Non, mais c'est bon, attendez, deux secondes, je rigole avec lui. S'en fout de la plaque. Ouais. Elle te plaît, la voiture? T'as dit quoi, man? Elle te plaît, la voiture? Ouais, voilà, man. Ouais, elle te plaît. Ouais. Tu l'as déposé au parking central après. Pourquoi, man? Parce que c'est pas ton véhicule. Mais si, c'est mon véhicule. Ouais. Et pour qui tout ça? Parce qu'on est noir. Tu es raciste, toi. Hein? Parce qu'on est des afros, c'est pour ça? C'est vrai que c'est pas le même véhicule. Il nous croit pas que c'est notre véhicule. C'est vrai que c'est pas le même véhicule parce que regarde, la plaque en fait elle est noire. Dépasse pas des limites d'amitié, d'accord? Toi et moi on est amis. Oui, oui, bien sûr qu'on est amis, Soulex, bien évidemment. Amis, Maxime. Je rêve pas de toi la nuit. Ok. Parce que sinon je vais pas travailler avec quelqu'un d'autre, hein, si tu commences à me faire des avances. Comme Hope. Hope elle est complètement amoureuse de moi, hein. Ah ouais? Ouais, elle me l'a dit! Comment ça, elle est amoureuse de toi? Elle me l'a dit, okay. La dernière fois, on était en voiture, on patrouillait. Okay. Elle m'a dit, ouais, c'est là que je peux te dire un truc? Je lui ai dit quoi et tout? Elle m'a dit, ouais, je sais pas, je trouve que t'as beaucoup de charisme et tout. Tu vois, je le sais, je sais pas pourquoi elle me le répète. Elle me dit, ouais, je trouve que t'as beaucoup de charisme et tout.
ben voilà, peut-être qu'on pourrait se pécho. Je dis, hein, je mets n'importe quoi, je dis moi c'est déjà Ulrich mon coéquipier, tu vois. Elle me dit non mais genre vraiment se pécho et tout, tu vois. Et du coup c'est pour ça après je connais plus trop avec elle parce que c'est bizarre. Mais après peut-être pécho juste un soir, hein. Peut-être pas pécho pour la vie. Ouf, tu vois ce que je vois. Ouh. Ouais. Vas-y, je t'en prie. C'est... Attends, attention, celui-là qui va s'énerver, lui, il va te rouler dessus, hein. Ouais, bah, j'espère que vous allez pas tirer quand même, parce qu'on a rien fait, monsieur. Bah non, on va pas tirer, mais expliquez-nous... Laisse-moi parler, Floyd. Vas-y, je t'en prie. Je suis détendu, je suis tout à fait détendu, Maxine. En fait, non, t'es pas détendu. Je suis super détendu. Ok, je vous écoute. D'accord. Bah, parlez à votre collègue, parce que là, bah... Ouais. Du coup, ouais, on était juste parti organiser un petit paintball, c'est tout. Ouais. Et on peut avoir l'adresse du paintball. On peut venir faire un tour, hein, en fait, franchement, c'est entre potes. Contrôle la voiture, Maxine. Ok. Vous allez rien trouver, monsieur l'agent. Allez-y. La carte grise. Faites-vous plaisir. Bah, elle est pas à nous, en fait. C'est, ils sont venus la réparer le mécano et l'a utilisé le temps que monsieur, le client vienne la chercher. Chez le mécano. Chez le mécano, voilà, c'est bon. Ça va. Vous savez. Après, si on croise le véhicule avec les mêmes personnes qui sont dedans, on saura que c'est celui-là. Bah oui, logique, mais ouais. Imagine, ils ont abandonné le véhicule. Eh ben alors la plaque, elle servira plus à rien s'ils ont abandonné le véhicule, Maxine. Tu fais exprès? C'est vraiment con, hein, dans cette téléspeedy. Hein? Ils sont vraiment tous cons dans cette téléspeedy, c'est pas possible. Mais c'est toi qui es con, tu es sérieuse ou quoi? Écoute, je me suis embrouillé. Mais c'est toi, tu m'embrouilles. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc, ça m'a perturbé, maintenant, je sais plus comment faire avec toi. Quand je t'ai dit que t'étais amoureux. Ah. Ils étaient en course poursuite. Je crois qu'ils étaient en course poursuite. Ah, ça me fume, ils étaient en course poursuite. Quoi? Ah ok, je crois qu'il a l'air démarré. C'est l'armurerie les coups de feu, hein. Premier son déjà. Hop, bougez pas. Voilà. Ah, ok, je vais faire un petit bandage. On me dit si c'est trop serré ou pas. Ah, je crois que vous l'avez fait à la mauvaise personne. Non, ça va. Ah, ça putain. Va. C'est bon. Ça va, c'est pas serré, c'est carré. Vous faites du bon taf. Super. Attendez, j'ai l'arcade qui s'est ouverte un peu aussi. Vous pouvez pas mettre un petit pansement. Ouais. Attendez, je vais le refaire. Hop. Hop, je serre bien fort comme il faut. Hop, voilà. D'ailleurs, je vais pouvoir remettre mes lunettes. Super. Comme ça, ça va cacher un peu. Ah, je me sens mieux là. Super. Je laisse la facture. Hop, attendez. Je tenez, monsieur l'agent, ma carte est tuée. Voilà, comme ça, je paye la facture entre deux. Ok. Y'a pas de monde, ça veut dire. Voilà, hop. Et voilà. Pas de soucis. Mal toi là. Non, laisse-le. Non. Et vous quoi? Ava, t'es sûr c'est toi qui coupe ça? Pardon, excusez-moi. Ah pardon Léo. Elle m'a ouvert la lèvre. Putain, t'es fiel, tu l'as tué. Elle m'a ouvert la lèvre. T'inquiète, elle m'a dit qu'il prendra soin de toi. Non, fais-moi du bouche à bouche. Arrête l'hémorragie. Oui. Vas-y. Ava. Fais bouche à bouche, Vas-y. T'as déjà eu juste avant. C'est professionnel, t'inquiète pas. Attends, laisse-moi regarder. Regarde, putain, il passait tout avec son sang, vas-y, Ava. C'est le moment jamais. Non, c'est de bon, le sauver. Fais-lui bouge à bouche. Fais-lui, Ava, il va mourir. Putain. Mais... monsieur, laisse avec moi. Laisse avec vois, moi. Je vois une lumière blanche. Oui, je sais, c'est mes cheveux. C'est sur ta lumière. D'accord. C'est normal que tu vois une lumière blanche. Ah, c'est bon. Ah, voilà. C'est bon, ça va mieux. Ça va mieux. Ah, vous me voyez comment? En Bruno? Balcon, tu m'as dit. Non, on te voit bien. La marque, c'est Léo Ricardo. Voilà. C'est comme si j'ai rien dit, tu as entendu. C'est Léo Ricardo, la marque de sa veste. Ouais. Je dirais rien du tout, promis. Merci. Voilà tes dessins, Pina. Voilà tes dessins, inspecteur. Voilà. Quoi, tu m'as dit? Quoi? Wow, c'est où ce ça truc, là? Attends, là j'ai entendu là. T'es en colocation dans ta tête? Y'a des meufs? Non, j'ai dit, tu kiffes ma vie.
Oh bidon. Oh putain. Gnonesa. Ah, ouais. Putain, j'ai encore mangé des enfants. Oh c'est des enfants. Oh my. Ouais, bah derrière. Je connais un petit peu le voiture. Oh elle tue la voiture. Get. Eh hey, attends, attends, viens le contrôle. Il va fuir, non? Non, il va s'arrêter. C'est un bon. Il profite pas qu'il ait une belle voiture. Sortez du véhicule! Vas-y, allez, contrôlez-les et moi je regarde la voiture pendant ce temps. Non, mais quoi? Vas-y, venez sur le trottoir. Putain de merde! Elle tue, hein! Venez avec moi! Quel est le but de ce contrôle, monsieur les agents de police? Vas-y, je te laisse faire, moi. C'est parce que la voiture était. Vas-y. V8 biturbo. Roll. C'était un V8 biturbo 500 chevaux. C'est vrai? Oui. Monsieur Seb? Ouais, con. C'est quand la soirée? Attends, parce que moi j'ai pas. Attends, vas-y, j'écoute la mission, vas-y, dis. Vous allez aller au barrio. Ok. Et vous allez leur demander où est la récolte de cocaïne. Mais ça va, non. Et non. Vous allez essayer de leur chercher des informations. Tu sais que le capitaine, c'est là pour ça, on est mort nous. Non. Eh, c'est. Vous serez pas mort, c'est moi qui serai mort si jamais. Allez, faites ce que je dis. Non, mais sous l'axe, ça va pas, j'ai pas envie de mourir. Vous faites ce que je dis. Si ça nous tire dessus, on fait comment? Faites ce que je dis. Et soyez confiants, d'accord? Ok. Bon, non, allez, ça y est, faites le tour. Allez, descendez, vite. Mais sous l'axe, on va mourir là. Descendez et vous faites ce que je vous ai dit. Allez. Allez, et confiance en vous. Vous allez bien? Si, claro. Ça raconte quoi? Tout va bien au quartier? Ça va, claro. Pas d'ennui, pas d'embrouille? Y a rien pour l'instant. Il est où le réfé? D'accord. Il est où le réfé? Il est pas encore là. Je peux parler à un haut gradé? Pour qu'il ait une confiance un peu plus haute que d'habitude, là, qu'à l'heure actuelle. Avec nous? C'est pas possible. Ça sera pas vraiment avec nous. C'est pas vraiment avec nous. C'est juste, je veux juste qu'il ait une confiance avec quelqu'un d'ici. Qui? Avec quelqu'un d'ici. Attends. T'as oublié la dernière réunion, toi. Oui, non, je m'en souviens très bien. Non, mais là, si on se dit pas tout, ça sert à rien qu'on continue. Ouais. Réunion avec. Qu'il a confiance avec qui? Quelqu'un de truc. On est censé tous dire, là, les mecs. Oui, je veux bien. C'est ça. Moi, mon avis, de toute façon, je vais pas être sur le terrain. Donc, c'est pour vous que je dis ça. Là, on dépend. D'un flic qui a dit qu'il bosserait plus qu'avec. On ne dépend pas du tout de cette personne. Bien sûr que si. On ne dépend pas. Où on dépend de cette personne? Parce que s'il décide. S'il décide de pas. De pas t'avantager toi et parce qu'en fait, je peux pas leur dire que W est dans le coup. Je peux pas leur dire. Et moi, j'ai une petite question, les gars. Si au moment de l'intervention. Mais j'aimerais juste savoir pourquoi le fait que Soulax intervienne et te nique, c'est avantageux pour. Il me niquera pas. Parce que c'est pas moi qui l'appellera. Alors, je remets. Parce que vous étiez pas tous à la dernière réunion, malheureusement vous étiez pas tous présents. Sous l'axe, te déteste. Oui, mais c'est pas moi qui l'appellera. Je reviens encore sur ce c'est point. C'est qui? Ça sera W qui l'appellera. T'es d'accord, W? Bah ouais, mais c'est moi qui t'ai prévu déjà. Donc, mais explique-toi alors. Qui me niquera pas? C'est là, mais moi je le laisse expliquer tranquillement, je lui ai expliqué, il explique. C'est mal expliqué. Bah si, c'est bien expliqué, il y a tout. W, il manque quelque chose. Mais justement, voilà. Là, comme tu parlais, j'ai cru que c'est toi qui allais l'appeler. Non, bah je vous le dis depuis tout à l'heure. Je vous le dis que c'est pas moi qui va l'appeler. Ah oui, Soulax interviendra. Oui. Tu nous fais. J'ai l'impression qu'on joue au jeu qui est là, frère. Tu viens de nous dire que c'est W qui allait l'appeler, on savait pas. D'accord. Ah, moi je l'ai dans la poche, Soulax, t'inquiète. Peu importe. Okay. Après, Soulax, c'est bien d'avoir des infos à droite à gauche. Ouais. Parce que Soulax, il a l'air malin. Parce que il a l'air malin, donc il. Je non, pense il pas a pas l'air malin. C'est juste qu'il fourçonne partout et c'est pas bon ça. Ok. Et Soulax, quand il intervient, il va intervenir tout seul. Ça va pas sembler chelou. Je crois qu'il a un collègue avec lui. Il a un collègue qui traîne très. Deux collègues. Ouais, il a deux collègues. Ils étaient une femme. Avec eux, ouais. Je sais pas, mais ces collègues-là, comme il m'avait dit auparavant, et je les ai déjà vus devant moi. Ils parlent jamais. De toute façon, s'ils viennent avec une patrouille et qu'il y aura des gens derrière eux, vous les plaquez, je sais pas, vous faites un truc. Si vous arrivez par derrière, déjà ils sont cuits. Ou vous les prenez en otage par derrière. Mais après, il faut être vif pour prendre un otage. C'est pour ça qu'il y aura des gens en extérieur. Nous, les journalistes, on n'interviendra jamais, à part que ça part vraiment en couille, on les part derrière.
Parac dans le cou. Maintenant, ok. On va imaginer. Je vois que. Je suis sergent. Parce que j'étais sergent chef. Après, je suis revenu cadet. Après, je suis revenu officier. Après, je suis re-revenu cadet. Quoi? Tu te rappelles de la dernière fois qu'on s'est vu ou pas? Non. On était en train de s'embrouiller pour. Pour tuner nos voitures. Ouais. Même tu l'avais peint, t'avais. Oui, 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 oui. Eh ben, get, j'ai l'autorisation là. Ah, c'est bon, maintenant tu. Ah, get, ouais, les jantes, okay. get les jantes, mon ref. Ah, ouais, ok. Get les deux en bas. Eh, frère. Ah, t'as des néons, quand Mais t'as vu, ils m'ont dit ok, mais il fallait pas que j'aille trop fort, tu vois, donc elle est noire. Ah, là ça va, là ça va. Mais maintenant que je suis sergent. Maintenant que je suis sergent, ouais. J'hésite à la mettre d'une autre couleur. Pourquoi? Ben, mais là, elle est très bien comme ça, tu vas la mettre comment? Je sais pas, je voulais la mettre en rouge. Bah oui, normalement. Ok, mais ça a rien à voir avec le fait que tu sois flic ou pas là. Enfin si, ça a à voir, mais... Comment ça? Faut pas que tu fasses de bêtises et c'est bon. Comment ça, de bêtises? Bah oui. Eh ben fais pas de bêtises. Mais je fais que ça de ma vie. Super, continue. Passe-moi juste une matraque. Ok, attends, je vais te présenter au capitaine comme c'est trop cru. Vas-y. Attends, je l'appelle. Allô, capitaine? Ouais. Merde, vous êtes au commissariat? Non, pas encore. Vous pouvez venir? Deux secondes, je finis un truc et je suis là. Dans votre bureau immédiatement, s'il vous plaît, capitaine. Non, pas immédiatement. Ok, dès que vous pouvez, capitaine. Non, c'est toi le capitaine. il arrive. je voulais t'impressionner. Ah, ok, j'ai eu peur. Putain! T'as quel âge, toi, maintenant? J'avais quel âge la dernière fois? Je sais pas, dans les 38, non? Un truc comme ça? J'ai 35 maintenant. Comment 35? C'est pas possible, je peux pas rajeunir. C'est qui, lui? Mais dis pas, c'est un nain qui a tué mon neveu, ou je sais pas quoi. Mais non, c'est 95! Genre. Tu te rappelles pas de lui, Dominique? Je suis cool, 95. Donc attends, tu lui dis 10, 35, pas d'empreinte, tire en air zinc, là il comprend pas là. Alors attends, déjà, je pense qu'il y a méprise, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est 6.35, pas d'empreinte, tire un air zinc. Et après quand tu sors le pétard... Ah voilà. Là c'est Dominique. Non, c'est pas moi. Mais oui, c'est Dominique, il fait un max, c'est pas lui. Non, je connais pas. Si, c'est toi. Je sais pas, non, ça... Non. Bon, Dominique, je te présente William McCall, 95, c'était mon ancien collègue à l'époque. Chanté, Dominique. Comment c'est pas? Je connais Dominique, il était avec lui dans la brigade... Je te rappelle, même après on l'a tué un peu. Ah oui. Excusez-moi, faut pas regarder ça, faut pas filmer. Pour les informations, vous inquiétez. On l'a buté, ce bouffon là. Ah, je me rappelle avec ces vieilles embrouilles. Monsieur, ouais, là, c'est mieux. Le capitaine. Dis-moi tout. Impressionne-moi, t'as exactement 2 minutes pour me vendre ton CV et que je t'embauche. Ok, LA brigade. Sous l'axe derrière. Vas-y. Ok, LA brigade 2A, j'ai cartel de Medellin, cartel de Sinaloa, c'était Bibi. 1995, Corée du Nord, j'y étais. 2002, Indochine, j'y étais. Et 2004, là, Afghanistan. 2019, j'étais là en tant que j'étais un lieutenant muté d'office pour des raisons privées en Corée. Ouais. Je suis revenu ici et voilà quoi. Ça fait 2 minutes. T'as fait quoi en Corée? C'est toi là, 2019, c'est toi qui a fait l'opération contre les mecs là de l'armée et tout. T'as acheté des grenades. Cartel de Medellin. Cartel de Medellin, c'est toi qui en plus tué Pablo Escobar. En Corée. Ouais. Ah, en Corée, ouais. Ouais, et en Chine, t'es arrivé, t'as vu Donald Trump, tu l'as giflé. Ah ouais, Donald ouais. Trump en Chine, je l'ai éclaté. Oui. Tu vas me servir à quoi? Bah, mon métier. Non, mais c'est-à-dire. T'étais quel grade avant? Avant, j'étais sergent. Sergent chef. Okay, sergent. Ouais, sergent. Flax derrière. Pardon. C'est que là, tu vas devoir refaire à peu près tout. De quoi? Monter d'échelon en échelon. Oh yes, ça va être mon cadet. Donc, sous l'axe. Pardon, capitaine. Je suis de bloc là-dessus. Vous faites AKD carrément. Yes. Mais gratte un officier, moi. Ah, mais AKD, c'est. Tu vas être mon cadet, 95. Ferme ta gueule. Alors, y'avait pas moyen de gratter autre chose. Non. Un petit officier. Tu vas être cadet pendant 3 jours. Là, ouais. Pendant 3 jours, je vais voir ce que tu vaux.
tu tourneras en Corée du Nord. T'es le patron, et nous on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars tout à l'écho.